c'est chaud. Bon, salut les gars. Ne m'emmenez pas ce que je suis en train de faire. Je suis actuellement sur YouTube, en peignoir, avec un essuie sur mes cheveux, en train de boire une soupe. Autant dire que j'ai un peu 80 ans, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chill, détente. Je vais répondre à des questions, je vais parler un peu de... Je sais pas, de tout et de rien. On va discuter vraiment comme si j'étais avec vous, entre potes. Prenez une soupe, prenez un thé, prenez un chocolat chaud. Aujourd'hui, je vais discuter de ma life, ça va être une vidéo très auto-centrée. Mais c'est un truc que je fais chaque année, enfin en tout cas que j'ai fait l'année passée. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de trucs très gros et très cool à vous annoncer aujourd'hui, donc restez jusqu'à la fin. J'espère que ces annonces vous plairont. En tout cas, moi je suis trop contente que tout ça avance enfin. Mais bref, c'est parti, on va commencer la vidéo. Je prends une petite louche. J'adore la soupe. Du coup, la première question que vous m'avez posée, c'est comment est-ce que je vais? En fait, je trouve que c'est toujours assez difficile de se projeter, même si la situation sanitaire s'est un peu améliorée. Là, c'est en train à nouveau de se redégrader avec le nouveau variant et tout. Du coup, c'est hyper compliqué de se projeter, quoi. Là, j'ai vraiment des projets très définis dans très 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 bientôt et je vous annoncerai ça plus tard dans la vidéo. Mais du coup, je suis dans un mood en mode... Tout change. Là, je suis dans ma zone de confort, je suis chez moi, je suis en examen, je suis un peu dans une boule de stress parce que j'ai pas mal d'examens et j'étais en, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, j'étais en décrochage scolaire. Donc j'ai clairement pas été en cours de l'année et j'ouvre, je découvre mes cours à genre 2 semaines des examens, donc je suis dans une boule de stress un peu, même si je trouve que je gère assez bien par rapport à comment j'aurais pu réagir, vu la situation. Je suis dans un moment de ma vie où il y a tout qui va basculer. Je vais terminer ma troisième, enfin je termine mon bachelier. Je dois choisir ce que je vais faire l'année prochaine. Je pars en stage, donc je sais pas encore si je pourrais aller avec le Covid. Et donc du coup, il y a tout ça qui change et je passe vraiment de ma bulle de confort chez moi à l'inconnu, tout simplement l'inconnu. Donc c'est très stressant et... beaucoup de choses en même temps, mais je pense qu'on est un peu tous dans ce même mood à devoir prendre des décisions, à devoir... ouais, prendre des décisions en général. On va commencer avec un premier sujet qui est l'école, parce qu'il y a encore des gens qui me demandent ce que j'étudie. Tout le monde n'est pas au courant de ce que j'étudie, et il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Vous n'êtes pas censé savoir connaître ma vie de A à Z, mais en gros, je suis en 3e année de coopération internationale. C'est une école qui se trouve à Namur et à Liège, et c'est des études qui te permettent de travailler dans des associations et des ONG. Donc c'est un sujet qui est trop cool, qui me parle, qui est social, environnemental, éthique, etc. Et donc... au niveau de mon choix d'études, je regrette pas du tout, c'est juste que je me suis clairement pas impliquée et que j'ai totalement décroché et que c'est vraiment l'année de trop, genre c'est l'année de trop, j'ai juste hâte de terminer et de plus l'entendre parler, vraiment, parce que là je sais plus étudier, ça me saoule, j'ai l'impression de rien apprendre et bref, j'ai vraiment hâte de terminer ça. Truc très très cool du coup que je voulais vous annoncer, c'est que là donc j'ai mes examens tout le mois de décembre, enfin tout le mois de janvier pardon, et le 30 janvier je pars en voyage, enfin je pars en stage plutôt, pendant 3 mois, donc du 30 janvier au 13 mai, je pars 3 mois au Costa Rica. Je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. En fait, ça me fait trop bizarre de me dire que je vais partir, genre, loin, dans un pays exotique à l'étranger, parce que ça fait, genre, 2 ans que je suis pas partie. Enfin, si, je suis partie à Londres, je suis partie en Europe, quoi, genre en France et tout. Mais le fait de m'imaginer dans un pays étranger avec des palmiers, avec vraiment une autre langue et tout... je suis hyper excitée, en même temps je suis super méga stressée parce que là, comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis dans une bulle de confort, je suis cocooning chez moi, et même si je déteste ce moment de ma vie, je suis en examen, c'est horrible, eh ben, j'aime bien parce que c'est réconfortant et que je sais que voilà, j'ai le contrôle sur tout, que quand je serai au Costa Rica, j'aurai le contrôle sur rien du tout, genre je devrais parler espagnol, et du coup oui, je vous explique un peu le stage. En gros le stage, ça se passe dans une ONG que j'ai trouvée sur Instagram via d'abord une abonnée, c'est un truc de ouf. En gros l'année passée j'ai parlé de ça dans ma vidéo FAQ où je disais que je cherchais un stage au Costa Rica et il y a une fille qui m'a envoyé le nom de sa pote qui tient une ONG au Costa Rica, enfin bref, histoire de malade. Et du coup ben, je vais dans une ONG qui traite en fait de la protection marine. Donc en fait c'est un groupe de scientifiques, un groupe de plongeurs qui plongent pour récolter des informations par rapport, je sais pas moi, aux coraux, aux animaux, aux invertébrés, etc.
Et après, ils utilisent toutes ces databases pour sensibiliser les écoles, sensibiliser la population locale. Et récemment, ils ont ouvert le premier centre de conservation marine au Costa Rica et ils vont faire aussi de l'écotourisme. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, toi, tu veux aller au Costa Rica faire de la plongée, tu passes par leur centre de conservation, tu vas faire de la plongée avec eux et en même temps, tu vas récolter des informations pour pouvoir protéger les fonds marins. Donc, il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes et le Costa Rica, c'est un pays qui m'intrigue de ouf parce qu'au niveau de l'environnement, ils sont super bien, enfin ils sont super calés et super poussés. Et j'ai passé mon brevet de plongée en octobre ici en Belgique, donc j'ai trop hâte de pouvoir plonger là-bas dans l'océan Pacifique. Et du coup, moi, je vais me charger de la communication, donc je vais gérer tout ce qui est création de contenu, vidéo, photo. Je pense que j'aimerais bien aussi faire des interviews, des capsules vidéo. En fait, je sais pas exactement encore ce que je vais faire. Je vais apporter mes skills que j'ai déjà et que j'utilise sur YouTube, mais j'aimerais bien aussi apprendre un peu plus sur l'écotourisme, voir comment on gère les programmes d'éducation et tout. Donc, c'est trop bien, j'ai trop hâte et j'ai dû investir pour mon matos caméra, je dois encore acheter une GoPro, j'ai racheté des batteries. Vous vous rendez pas compte à quel point la vidéo c'est un gouffre financier, tellement ça coûte cher. Et après, bah, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, là je suis en train de faire des démarches pour passer... Pour faire un master en gros à Paris en communication responsable, donc je suis en train de faire ça, mais je sais pas du tout en fait si je vais faire un master, je sais pas si je vais vivre à Paris, je sais pas, et là j'ai vraiment un truc qui me traverse l'esprit où j'ai vraiment trop envie d'aller dans les pays nordiques, genre vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point je suis obsédée par les pays nordiques pour le moment, mais j'ai trop envie d'utiliser peut-être les 6 prochains mois après mes études pour partir quelque part. Je dis ça, ça tombe, je le ferai absolument pas, mais j'aimerais beaucoup pouvoir faire des projets photos, pouvoir faire des vidéos plus centrées sur l'argentique, aller photographier des petits villages nordiques, genre en Suède, des petites maisons trop mignonnes, et faire des reportages photos en fait sur les gens, sur leur village, sur comment ils vivent, etc. Donc c'est un truc qui me tente de ouf, je sais pas si j'oserais le faire, parce que déjà, le niveau de vie dans les pays du Nord est super cher. Et puis aussi c'est partir seul pendant, je sais pas, 3-4 mois, et puis je sais pas si j'aurai la motivation de continuer mon master, donc voilà, à voir, je sais pas encore ce que je vais faire, et si je fais un master, ça sera en alternance, donc je sais pas, mais ça me stresse d'être dans un master, parce que j'ai peur d'être coincée et de plus avoir de temps pour moi, mais c'est un truc qui me traverse l'esprit pas mal, d'utiliser l'année prochaine ou les 6 prochains mois, de septembre à genre décembre 2022, pour voyager, faire du contenu, et peut-être essayer de vivre pendant un petit temps des réseaux, parce que cette année j'ai enfin pu avoir des revenus qui étaient plus élevés que d'habitude, donc ça c'est super cool, et je me dis que je pourrais utiliser cette opportunité-là pour... voyager, vous faire du contenu qui est plus quali, qui est plus poussé, des trucs qui me font vraiment vibrer, qui me font kiffer de ouf. On va parler musique. Je vais d'abord me rincer la tête pour parler plus sérieusement de ça, en évitant d'avoir cette tête-là. En gros, j'avais envie de vous parler de mes projets musicaux parce que, bon, ça fait un an et demi, si pas 2 ans, que je vous dis que je vais sortir un EP et que je travaille sur un EP. En fait, je pense que je me rendais pas compte de la quantité de travail et de la quantité de détails qui étaient en fait englobés dans la sortie d'un EP. En vrai, l'année 2021 a été hyper positive pour tout ce qui est musique parce qu'on a tourné 3 clips pour l'EP, on a rajouté 2 sons à l'EP, donc là maintenant il y a 5 sons dans l'EP, donc je suis trop contente et normalement c'est sûr à 100%, il va sortir cette année. J'ai pas encore envie de vous dire, il sortira en juin, il sortira en septembre, il sortira cet été. Moi, dans mes objectifs, j'aimerais bien le sortir avant l'été, mais je sais que c'est toujours compliqué et que voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais j'ai quand même une trop cool annonce à vous dire. En gros, je sors un son, un nouveau son, le 22 janvier 2022. Donc, ça sort dans 2 semaines. Ça sort dans 2 semaines, un nouveau son que j'ai adoré faire, que j'aime trop, qui est en français, et je suis trop contente d'enfin revenir et d'enfin vous partager de la musique, vous partager une création que j'ai pu faire avec Romain, avec Loris et avec Rare Beat, qui est un beatmaker de New York. En fait, on a fait une collaboration, donc c'est une prod qui a été faite par un New Yorkais et on l'a retravaillée ici en Belgique. Et voilà, j'ai trop hâte, je vous montre la cover juste là, qui est trop belle, c'est une photo qui a été faite par Laura, je vous mettrai son Insta aussi, et j'ai super hâte, j'ai hâte que vous l'écoutiez, j'ai hâte que
Enfin, en fait, j'ai hâte d'avoir vos retours parce que j'ai plus sorti de son depuis mars de l'année passée. Luna, c'est le premier titre de l'EP que je vais sortir et ça va peut-être vous permettre d'avoir un aperçu un peu de la vibe qu'il y aura dans l'EP et ça va peut-être aussi vous donner envie d'aller écouter l'EP quand il sortira. Mais voilà, j'ai trop hâte que ça sorte et voilà, c'était un peu l'annonce de cette vidéo. J'ai trop hâte que vous découvriez ça. Parlons objectif, je déteste ça. J'ai l'impression qu'en fait, dès que t'arrives à une nouvelle année, c'est 2022, ta vie elle va changer, tu vas commencer à devenir une badass bitch, tu vas commencer à faire du sport, à avoir des abdos, à te lever à 5h du matin et boire ton matcha tous les matins, alors que MDR, qui fait ça? Genre vraiment, qui fait ça dans la vie, à part genre quelques influenceuses qui montrent ça sur YouTube, alors qu'on sait même pas si elles le font vraiment. Mais moi cette année, je me suis dit, Colin, calme, genre, calme, te donne pas trop d'objectifs, t'as trop de trucs dans ta tête, t'as déjà assez de trucs à gérer, donc calmos, mais par rapport aux objectifs que je m'étais fixés l'année passée. Je sais pas si vous en souvenez, mais en gros, j'avais deux objectifs, dont le plus gros qui était d'avoir mon permis de conduire. Et les gars, aujourd'hui, je peux vous dire que Colin, 22 ans, a son permis de conduire, donc je suis trop contente. Et je me vois déjà là en road trip avec mon van. Bon non, j'aurais plus une petite Clio nulle, mais c'est génial. J'adore. Et j'ai réussi mon seul objectif de l'année, qui était avoir mon permis, et je voulais aussi sortir mon EP, mais du coup, ça arrivera cette année. Du coup, mon objectif cette année, c'est de sortir mon EP, comme je l'ai dit. Ça va arriver, vous inquiétez pas, il sera là. Et j'avais quoi d'autre aussi? J'avais aussi de sortir mon podcast. J'en ai déjà parlé quelques fois sur Insta, en vous disant que voilà, j'avais préparé mon podcast et que j'avais déjà enregistré les deux premiers épisodes de mon podcast. Mais ouais, mon podcast va sortir cette année. J'ai pas encore envie de trop vous en dire ici parce que j'ai envie de faire une vidéo entièrement sur ça, mais pour vous dire un peu de quoi ça parlera, ce sera pas un podcast sur moi parce que c'est bon, je parle déjà assez de moi sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie de mettre en valeur d'autres personnes qui m'inspirent, qui ont changé de métier, qui ont changé de mode de consommation, qui sont inspirantes dans la vie de tous les jours, qui vont vers un monde plus durable, plus équitable. Et voilà, c'est un peu le thème de ce podcast. Je vais vraiment rencontrer des gens qui m'inspirent, que j'ai envie de vous présenter, qui vont aussi vous inspirer, et j'ai trop hâte. Bon les gars, je pense que c'est un peu fini pour cette vidéo annonce, blabla, etc. J'ai trop hâte que vous découvriez mon son le 22 janvier, mon son Luna, que je suis sûre que vous allez l'aimer, et j'ai hâte que vous découvriez aussi mes aventures au Costa Rica. En tout cas, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.